Donc voilà. Nous allons commencer par ces histoires de manifestation, de soutien et tout ce que vous savez. C'est très très important de le savoir et de le signaler parce que y a eu beaucoup de trucs ces derniers temps qu'il y a des, je sais pas, de manifestes, de soutien par-ci et par-là et tout. Ce qui est incroyable dans ces choses que je voulais que surtout signaler avant de venir sur les ceux qui sont en prison. Si vous avez remarqué, bon, parce qu'il faut remarquer aussi, chaque fois que ce soit un homme politique ou un homme d'État, c'est-à-dire celui qui est déjà au pouvoir, quand il est dans des périodes délicates ou difficiles, il n'y a pas de soutien à ce moment-là. La plupart du temps, je pense que chez nous, les gens n'aiment pas se battre, en fait. Ils viennent quand c'est déjà prêt. Quand c'est bon à manger, ils sont là. Le colonel Mamadi Doumbouya, je pense qu'il avait plus besoin de soutien au départ que de maintenant. Mais il y a certaines personnes qui se disent, OK, c'est le moment, on va y aller. Il lui reste encore 24 mois ou peut-être même plus, parce qu'il y a des gens qui envisagent, quand vous voyez à gauche, à droite comme ça, certaines choses de cette manière, c'est parce qu'il y a des gens qui envisagent que ça va aller plus loin que ce que, plus loin que 24 mois. Ça, c'est ce que eux, ils se disent, c'est ce que eux, ils pensent. Pour mettre des idées dans la tête du monsieur ou confirmer certaines idées dans la tête du monsieur, que lui-même, il a l'incertitude de cette chose-là. Et le moment où, c'est-à-dire, ils vont se rendre compte que c'est impossible ou que c'est devenu caillou et compliqué, ils vont tout simplement descendre du bateau, comme d'habitude. Nous avons l'habitude de voir cela. Donc, moi, je tiens à dire aux personnes qui soutiennent vraiment ce monsieur et cette transition, honnêtement et sincèrement, c'est-à-dire, pas tout le monde, il y a des gens qui se sont battus. Le résultat a donné que c'est devenu ce monsieur-là. Ça aurait pu être n'importe quelle personne, n'importe qui. Et qui sont toujours derrière lui. Certains ne sont plus là. C'est pas grave. C'est-à-dire, certains ne le soutiennent plus parce qu'ils ne répondent pas à ce qu'eux, ils veulent. Ça, c'est tout à fait normal. C'est cela. Cela est tout à fait logique. Maintenant, c'est comme quand il y a une réunion. Nous sommes en réunion. On parle, on se donne des idées, tout et tout. À la fin de la réunion, il y a quelqu'un qui débarque. Maintenant, lui, il veut vous dire quoi faire. La réunion initiale que vous avez faite, il n'était même pas là. Comment tu vas leur dire quoi faire? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mettre, se dire, OK, s'il a fait 1 an, c'est possible 3 ans. C'est même possible 5 ans. C'est même possible 10 ans pour que eux, ils aient leur pain. Mais un autre viendra demain, ça sera la même chose. On ne combat pas tout le monde, on ne soutient pas tout le monde non plus. Mais il faut soutenir quand il a besoin et quand tu peux même apporter. Donc si toutes ces choses-là sont interdites aujourd'hui, c'est parce que peut-être soit ils se rendent compte que ça n'apporte pas, parce que c'est possible. Moi, je ne vois pas ce que ça apporte personnellement, parce que sa cote de popularité descend tous les jours. Et lui-même doit savoir comment il se sent, parce que vous savez, vous qui me regardez là, ou qui allez regarder plus tard, ou moi-même. La façon dont on se sent, c'est pas quelqu'un qui doit te dire que tu te sens bien ou que tu te sens mal. C'est toi, ta personne, qui doit le savoir. Que là où je suis, je me sens bien. Ou je ne me sens pas bien. J'aspire à cela. Ce bonheur-là peut m'apporter ceci ou cela. Ou c'est un malheur. Je dois remballer. Je dois reculer. Mais s'il y a des gens qui partent dans ce sens, parce que tout simplement, peut-être pour eux, c'est facile. C'est-à-dire, c'est toujours le même scénario. Il faut juste remarquer. C'est toujours le même scénario. Que ce soit avec ceux qui sont déjà au pouvoir, que ce soit avec ceux qui sont déjà en politique. Je vais justement un peu rappeler. Il y a eu un moment ici, c'était même pas possible de prononcer le nom de l'UFDG ou de l'HCLD Lindiane Diallo ou de sa femme. Mais dès que le CNRD est arrivé, il y a des jeunes tout de suite qui ont commencé à adhérer à l'UFDG. Parce qu'ils se disent, par la logique des choses, c'est ce parti-là qui va venir au pouvoir. Quand ils ont senti un peu d'affaiblissement, ils se sont rétractés. Mais ces gens-là avaient besoin de soutien. Quand moi je parlais, c'était à ce moment-là qu'il fallait partager leurs vidéos, qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça. Il ne faut pas le faire parce que vous vous dites, OK, là c'est bon. Non. Je pense que les hommes politiques doivent faire attention à ce genre de personnes, à ce genre de mouvements et à ce genre de choses. Parce que ils vont vous apporter quoi?
Moi, j'ai besoin de soutien quand j'ai des problèmes. Quand mes problèmes sont terminés, moi, je vous l'ai dit, j'ai eu mes problèmes, c'est Allah. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mes frères et sœurs. Hein. C'est pourquoi tous les conseils que je donne à qui que ce soit, je te dis de te rapprocher de ton créateur. C'est lui qui peut t'enlever les problèmes. Nous, êtres humains, là, c'est notre intérêt. Si on peut gagner un petit 100 francs, là, on va là-bas. Quand on sait qu'on ne peut pas gagner, on quitte. Normalement, en général, chez nous, c'est comme ça. Donc, ce sont les soi-disant élites qui doivent comprendre cela et détecter le vrai du faux. Ce n'est pas compliqué. C'est très, très difficile d'être à la tête d'un parti politique. C'est très, très difficile d'être à la tête d'un pays. Parce que qui est ton ami, qui est ton ennemi, tu ne le sais pas. Mais concernant le colonel Mamadou Doumbouya, par exemple, lui, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance, qui devrait comprendre certaines choses. Parce que je le dis régulièrement, quelqu'un qui n'a rien apporté à Alpha Condé jusqu'au 5 septembre, il va apporter quoi à Mamadou Doumbouya? Par la logique des choses. Walaykoum salam ma chérie, comment tu vas? Par la logique des choses. Pourquoi il n'a pas apporté ça à Alpha Condé? Donc c'est un peu bizarre et tout. Donc ces mouvements de soutien-là ne servent à rien. Ça ne va servir à rien. Ça va te mettre dans les problèmes. C'est-à-dire te faire des films, te donner des idées qui sont fausses, qui sont irréalisables. Déjà, t'es un an là, c'est Kibiti Koboto. Les 24 mois qui restent par la grâce d'Allah, Allah seul le sait. Ça, on ne sait même pas comment ça sera. Il y a une incertitude, pas possible. Si vous voyez que le monsieur multiplie les sorties à gauche, à droite et tout, c'est-à-dire on n'est pas des... En tout cas, bon, moi, je ne suis pas une gamine. Hein. Je sais, quand moi, je soutiens quelqu'un, je sais. Quand je te combats, je sais. Je le sais déjà. Donc, vous comprenez, s'il multiplie tout ça, ce que j'apprécie un peu, il cherche sa route. Quand on lui montre la route qu'il est en train de chercher, la route d'Allah, il cherche son chemin. Tout ce qu'il fait là, il est en train de chercher. Je vous avais dit il y a quelque temps, il y a beaucoup de consultations par-ci, par-là, gauche, à droite. Oui, il y a eu tout ça. Il cherche, il cherche, il cherche. Voilà, j'espère qu'il va trouver. Mais déjà, avant de te projeter dans quoi que ce soit, ceux qui sont en train de te parler de cette projection-là, ils sont qui? Ils t'ont apporté quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Dans le passé, qu'est-ce qu'ils ont apporté? De quoi? On l'aurait su. Hein? Il y a des soutiens, ça ne va apporter que des problèmes à une personne. Moi, il y a des gens, quand ils me combattent, je suis contente. Parce que je sais que eux, là, ils ne vont jamais gagner. Quand ils me soutiennent, je m'inquiète. Je dis, qu'est-ce que toi, tu as déjà soutenu ici qui a eu la force? Si tout ce que tu as soutenu on finit en prison, ou alors c'est terminé comme le 5 septembre, je n'ai pas besoin de toi. Parce que moi, je ne vais pas finir comme le 5 septembre. C'est pas toi qui vas faire que je vais faire 10 ans au pouvoir. C'est pas toi qui vas faire que je vais faire 5 ans. Tu peux même pas faire que j'accède au pouvoir. Sinon, celui qui était au pouvoir, je n'allais pas le prendre. Donc, il faut faire très, très attention. Les bonnes personnes, parce qu'on ne peut pas avoir que des mauvaises personnes avec soi. Ça, c'est pas possible. Il y a du bon et du mauvais partout dans le monde entier. Ça, c'est dans tout. Tout ne peut pas être négatif. Tout ne peut pas être positif. Mais dans la vie, il faut faire la part des choses. Quand on est un homme d'État, on doit être responsable. Même si on a un peuple qui est comme il est, toi, tu dois donner certains exemples et être responsable. Comme je le dis régulièrement, surtout que personne n'a voté pour toi. Personne n'a voté pour toi. Donc, si ce n'est pas Amina, le cas de Dadis, là, je préfère ne pas... Tu sais, cher Bamba, je vais faire une petite parenthèse. Il y a beaucoup de personnes qui s'inspirent de moi. C'est une très, très bonne chose, mais dans le mauvais sens. Voilà. Et ça, je n'apprécie pas trop. Et certaines personnes qui veulent passer derrière, je sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, les analyses politiques de Mme Sissoko, aujourd'hui, il y a peu d'analyses sur Facebook. Toi, tu veux venir derrière moi pour manger. Donc, moi, je vais créer le mangement pour toi. » Non, moi, je ne suis pas là pour créer le mangement pour les gens. Non, ce que je fais, c'est gratuit. Là, tout ce que je fais là, c'est pour moi-même et pour mon créateur. Voilà. Il m'a donné moi le cerveau là, moi. Donc, si tu vois que l'affaire de Dadis et de truc là, du 28 septembre, j'avais beaucoup insisté dessus. Il faut que ce soit en direct et tout, et tout, et tout. Ça s'est fait, c'est une très, très bonne chose. Il y a des gens qui suivent ça vraiment, vraiment. Mais moi, déjà, c'est très, très long. Je n'ai pas le temps. Bon, peut-être que je n'ai pas la volonté aussi.
Voilà, je n'ai pas envie de m'asseoir ici pour que d'autres personnes viennent prendre de l'argent derrière. Surtout, ils le font très très mal. Ils veulent faire, après, ils courent, vont aller chez le CNRD qu'ils ont des idées. Bon, quand je ne fais pas de vidéos, ça les bloque. Bon, vous recrutez des gens qui s'inspirent d'autres personnes. C'est un peu gauche, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, je pense que chacun de nous doit creuser sa tête. Nous sommes tous des Guinéens. Bon, je pense que nous, souvent, ce sont des musulmans. Ils doivent se creuser leur tête. S'ils ont des idées à apporter, ben, qu'ils les apportent, que ça vienne d'eux-mêmes, quoi. Donc, je ne suis pas là. Je ne vais plus dans ce sens-là, quoi. Voilà, c'est tous ces facteurs qui font que le temps, la volonté, inspirer les mauvaises volontés qui vont se faire de l'argent, qui arnaquent le CNRD. Voilà, avec moi, mes idées, genre, la dame, elle a dit, ça va faire 3 ans, donc on vient se caser ici. Mais j'ai dit 3 ans, pour quelle raison déjà? Je ne l'ai pas dit pour vous, hein. Si vous pouvez apporter de la force, il faut l'apporter à Alpha Condé. Voilà. Quand on défend, il faut que vous compreniez une chose. Les médias sociaux sont spirituels, je vous l'ai dit. Vous commencez à comprendre progressivement. Ça n'a rien à voir avec la visibilité. Il y a deux choses ici. Deux choses. Ceux qui combattent, ceux qui défendent. Quelqu'un te combat, un autre groupe te défend, soit ceux qui te défendent ne sont pas à la hauteur, ou ceux qui te combattent sont plus forts. C'est l'un des deux. Mais il se peut que ton camp te fasse tomber. Moi, je l'ai signalé ici. Je dis, ceux qui communiquent pour mon ami là, Michel Vacondé, ils ont provoqué sa chute d'une certaine manière. Je l'ai dit ici, je les ai traités de vauriens, de bonariens, des gens qu'on paye inutilement. Bon, c'est des anciennes choses que j'ai dit ici plusieurs fois. Voilà. Donc, je le dis régulièrement, l'humanité peut être sauvée. À cause d'une seule personne, ben un pays pareil, un parti politique pareil, un homme politique pareil. Si le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui a fait 600, il paraît entre 500 et 600 décrets, il n'a toujours pas une seule personne d'Allah qui peut l'aider à gouverner, ben il y a un problème quelque part, quoi. Donc je pense que ce monsieur, il doit s'asseoir et réfléchir correctement. Il doit avoir un souci. J'en sais rien. J'en sais rien, moi. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il est en train de chercher, qu'il est en train de rechercher. Mais comme je vous le dis souvent, les pouvoirs malinqués aiment qu'on leur dise ce qu'ils aiment entendre. Bon, moi, ce n'est pas mon genre. Moi, j'ai ma personnalité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est que moi, j'ai un avenir. Hein. J'ai un avenir. Voilà, je ne suis pas là. Non. Il va rester 2, 3, il va partir. Peut-être même avant. Allah seul sait. Moi, je ne peux pas savoir ça. Moi, je dis en tant qu'humaine. Je parle en tant qu'humaine. Je ne suis pas que. C'est par rapport à ça qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles. Je préfère tous ces facteurs. Je préfère laisser les gens analyser par eux-mêmes. Je préfère que les gens eux-mêmes leurs propres idées parce qu'ils sont forts, parce qu'ils peuvent apporter à tel ou à tel parti politique ou à tel ou à tel ou à tel homme politique ou à tel ou à tel homme d'État qu'ils réfléchissent par leur propre tête. Tu veux de l'argent, t'as rien à la tête. Donc, ce que moi je fais gratuitement, tu veux venir manger dans ça, je suis désolée, hein. Je ne le ferai pas. Ce que je fais ici, c'est public. Toi, tu peux regarder ça, tu sors 10 vidéos dedans. Mais Allah, il l'a donné à moi, pas à toi. Pourquoi toi, tu vas venir manger derrière moi? En plus, tu portes malheur. Les gens qui ont porté malheur à Alpha Condé ne porteront pas malheur à Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas un débat. Ce n'est même pas un débat. Donc, faire des mouvements de soutien, il sait que ça n'apporte pas. Les concerts et autres, ça n'apporte pas. On l'aurait su. Combien de fois j'ai parlé de ça ici? Il ne faut pas donner un franc à quelqu'un. Ils sont en train de défendre leur pays. Au pire des cas, il faut les présenter. Voilà nos communicants. Ils communiquent pour nous. Pendant ce temps, nous, on se fait insulter. Voilà. J'aurais même pu mourir dans ça. Oui, mais bien sûr. Mais eux, ils mangent là tranquillement. Ils n'ont pas honte. Ben, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Il y a des gens qui prennent leur plaisir. Hein, ils s'en fichent. Ces chiens, ces chats, ces animaux sauvages ou peu importe, eux, ils veulent leur argent. Donc, il faut être sincère dans ce que tu es en train de faire. Moi, ce que je fais, c'est pour telle ou telle ou telle chose. Et puis, le CNRD peut déclarer, je vous l'ai dit, de déclarer leur communiquant, de dire, voilà la liste. On les paye à peu près tant. Ça aussi, c'est une forme d'honnêteté. Voilà. Donc, c'est pourquoi comme je le dis, je ne suis pas là pour enrichir les têtes de mule, quoi. Les nuls, les débiles. Qui veulent être riches parce que certains qui se disent que c'est un métier, ils sont habitués à avoir de l'argent, on leur donne de l'argent inutilement, ils ne foutent rien, qui vont passer derrière moi. Je suis désolée, hein, mes chers frères et soeurs, je ne le ferai plus, Inch'Allah.
Donc, de temps en temps, on va faire comme on fait là, qu'Allah nous guide, voilà, qu'il vous guide tous, parce que c'est lui le meilleur des guides, et qu'il juge, voilà, qu'il juge entre les bonnes personnes et les profiteurs qui sont là pour profiter et qui salissent les pouvoirs. C'est ça le problème. Je vous l'ai dit ici, Monsieur Alpha Condé, bonsoir, Ousté Soanadigo, comment tu vas, mon frère? La communication, elle est très, très. Déjà, il y a le côté spirituel. Les Guinéens ne l'ont pas. C'est même pas un débat. Ils courent après la visibilité. C'est aujourd'hui qu'ils commencent à se rendre compte que ce n'est pas affaire de visibilité, il y a autre chose derrière. Voilà. Donc, la spiritualité, elle est vide. Il y a des gens qui sont sales, qui sont souillés. Surtout les filles. Surtout les filles. Il n'y a pas un nid de chayatine comme une femme. La femme est le nid de chayatine. Les cheveux, les ongles, les cils, les ça, tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, ça couche avec qui, n'importe comment, à gauche, à droite. Ça défend un homme politique, ça défend un homme d'État. Mais tu tombes. Mais ça, mais ces gens-là pensent que les médias sociaux, je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent. Ils le savent, parce qu'ils ont des informations. Ils le savent, ils consultent. Ils consultent. Donc, qui se démerdent avec toutes ces saletés qu'ils ont recrutées à gauche, à droite. Apparemment, je ne sais pas si ça marche. Mais les mouvements de soutien, ça ne donnera rien, Inch'Allah. Ça ne donnera rien du tout. Ça n'a jamais rien donné. Voilà. Ceux qui sont restés au pouvoir longtemps, ça c'était cette époque-là, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens ont les yeux ouverts, c'est parce qu'on a découvert certaines choses. Ce n'est même pas par rapport aux médias sociaux. Quand je vous parle spirituellement, par exemple, voilà, Fadi dit, franchement, 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 son poteau là, s'il l'a tapé, je ne sais même pas s'il existe, si le poteau existe déjà, parce qu'il s'engouffre. Comment il va s'en sortir avec tout ça? Donc, je pense qu'ils pensent que ça ne donne pas. Et en plus, ça peut être en sorte de contrecarrer aussi les hommes politiques pour ne pas que, bon, moi, je ne veux pas de mouvement de soutien. Moi, je ne veux aucun rassemblement à mon nom. Bon, donc, c'est valable pour tout le monde, que tout le monde reste dans sa case, que personne ne fasse quoi que ce soit, qu'on reste comme ça. Ça aussi, c'est. Voilà. Je pense qu'il y a ça aussi, quoi. Pour bloquer et tout, ils ont été à Dinguira. J'avais fait une petite vidéo. Est-ce que c'était exactement sur ça? J'en avais parlé quand ils ont publié les tapis de prière et tout, bah, on a vu dans ça, le colonel lui-même, il a été à l'église. Ça, c'est autre chose. Il faut que les musulmans comprennent ce côté-là. Ils ont déjà fait un truc, c'est laïque. Voilà. Eux, ils disent qu'ils sont laïcs. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo cet après-midi. Je ne vais pas revenir dessus. Quand quelqu'un est laïque et quand les musulmans font deux, voilà, eux sont laïcs. C'est la politique, c'est les hommes d'État, c'est voilà, il faut toucher tous les côtés, il ne faut frustrer personne. Là, c'est juste après, au fond de toi, par rapport à ton âme, entre Allah et toi, entre ton Créateur et toi. Pardon, ça, c'est notre débat. Voilà, ça, c'est entre. Bon, ils peuvent faire ça en public, et puis peut-être c'est autre chose, peut-être ils sont sincères, peut-être ils ne sont pas sincères. Mais par exemple, moi, je l'ai dit ici, je dis, pourquoi ne pas aller dans les orphelinats? Pourquoi ne pas faire des dons dans les écoles et dans les internats islamiques, par exemple? Voilà, ça c'est une bonne œuvre. Ça c'est des enfants qui sont là. Quand je prends l'internat de Docteur Ilias, c'est des enfants qui sont là, une centaine d'enfants qui sont là, que lui nourrit. Vous ne les verrez jamais dans ce genre d'endroit. Même s'il y a des internats islamiques, ils vont aller, parce qu'il y a islam dans islam, il y a politique dans politique, il y a CNRD dans CNRD, il y a force spéciale dans force spéciale, il y a parti politique dans parti politique, il y a toujours un petit, vous voyez, bon, des acrobaties dans les trucs, mais ils vont toujours choisir des religieux un peu tordus, ils vont toujours choisir des centres islamiques un peu genre, voilà, qui ne sont pas, vous comprenez, c'est-à-dire, c'est les âmes qui s'attirent, en fait. Moi, je vais t'attirer. Si nos âmes sont à peu près dans le même sens, sinon j'ai beau te dire que tu es le meilleur au monde ou j'ai beau te dire toutes les vérités du monde, ça ne va pas t'intéresser. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Oui, c'est vrai, mais bon, c'est impossible. Le jour que ça te tombe dessus, Inch'Allah, Allah seul le sait, c'est là que tu vas dire, oh, la femme là-bas, elle avait dit, mais comment elle fait? Je suis tout simplement réaliste. Voilà, il faut être réaliste. Ce que tu veux que ça arrive et ce qui est en train de se passer font deux. Voilà. Moi, ce que je veux, il y a ça. Ce qui doit se passer, il y a cela aussi. Donc, il faut que j'aie le juste milieu et que je sois réaliste. Quelqu'un qui est là, qui a du mal, qui a un problème de popularité, il est tellement impopulaire
que ceux qui ont fait tomber Alpha Condé avec lui, ben, il y a un problème, quoi. Quand on voit que les Fonikè Menguè sont en prison, je préfère encore un Fonikè Menguè à tes côtés, un Koundounou, un Ibrahim Diallo et les autres. Parce que là, au moins, je me dis, ah, peut-être c'est l'un d'entre eux. Peut-être c'est l'un d'entre eux, je peux me dire ça. Mais quelqu'un qui est avec Alpha Condé jusqu'au 5 septembre, mais moi aussi, toutes ces personnes, je me dis, c'est lui qui a fait qu'il est tombé, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait, c'est l'un d'entre eux, parce qu'il aurait pu avoir une seule personne parmi eux. Allah ne veut pas faire honte à sa bonne personne. Non. Il peut sauver quelqu'un à cause d'une seule personne. Tu ne la connais même pas. Par exemple, il y a des gens qui soutiennent n'importe quel homme politique, n'importe quel président, n'importe qui. Voilà. Ou alors un enfant qui soutient quelqu'un avec son âme qu'il aime. Ou ses parents aiment cette personne. Si ses parents aiment cette personne, Allah aime cet enfant-là. Allah, cet enfant est sa personne. Quand ses parents auront honte, la honte se répercute sur cet enfant. À cause de cet enfant, il peut éviter la honte à un homme politique. Il peut éviter la honte à un président de la République. Mais c'est ce que ces gens-là ignorent. Ils sont toujours en train de courir derrière le monde. Ils sont toujours en train de courir derrière les chanteurs, les porte-malheurs, les gens bidons, les gens qui n'ont rien à apporter. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent rien vous dire. Ils ne peuvent rien vous dire, ils ne peuvent rien vous donner. Sinon, ils auraient apporté à leur parti politique. Sinon, ils auraient apporté aux hommes politiques qu'ils ont déjà soutenus. J'en sais rien. Donc, ils savent au fond d'eux que ça n'apporte pas. C'est des quand on fait les trucs de soutien, directement ou indirectement, vous allez dépenser. Vous allez sortir de l'argent. C'est les mêmes méthodes de soutien. C'est les sacs de riz. C'est les mêmes façons de faire. C'est les danses. C'est les matchs de gala. C'est les matchs de football. C'est la même chose. Vous n'allez pas avoir une seule personne parmi tout ce groupe qui va sortir une nouvelle idée, qui va innover. Sortir une nouvelle idée qu'aucun président n'a jamais fait. Et vous prenez le risque, vous le faites. Non, aucun d'eux ne le fera. Parce qu'il n'y en a pas, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, parce que c'est des usurpateurs. Moi, le rôle que je dois jouer, c'est moi qui vais le jouer. Le rôle que Paul ou Pierre doit jouer, attends, je ne vais pas m'hasarder à aller sur ce terrain, je ne bourrai pas. Ce n'est pas possible. Je vais me faire passer pour Paul, je vais te mettre dans les problèmes. Parce que je ne suis pas Paul. Je ne suis pas Pierre non plus, je suis moi-même. Quelqu'un d'autre va vouloir faire croire qu'il est Marie Sissoko ou qu'il peut faire comme Marie Sissoko. Mais hey, Marie Sissoko, je suis là, je suis vivante, je ne suis pas morte. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu vas attendre mes vidéos pour t'en inspirer si je n'en fais pas. Comment tu fais? Tu seras démasqué. Voilà, donc il y a beaucoup d'escrocs et d'arnaqueurs qui sont en train de courir à gauche, à droite, comme ils ont arnaqué le pauvre monsieur. C'est très très bien, M. Alpha Condé, il est vivant aujourd'hui. Pourquoi pas, oui, Inch'Allah. Il est vivant aujourd'hui, il voit certaines choses. Malheureusement, je le plains, quoi. Je le plains. Donc, ceux qui sont en prison, je reviens sur eux. Il y a M. Damaro, on le sait, qui a des soucis de santé. Eux, d'ailleurs, ils ont tous des soucis de santé parce que ce n'est pas des petits garçons. Ils n'ont pas 5 ans. Hein. Ces gens-là n'ont pas 5 ans. Ils ont plus de 60 ans. Ce n'est pas des petits garçons. Donc, ils ont l'âge de nos parents. Nous savons que nos parents, ils ont tous des petits bobos, des petites maladies. Si ce n'est pas la tension, c'est le diabète. Si ce n'est pas le diabète, c'est... Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà, ça, c'est comme une vieille voiture. Une vieille voiture, tu es toujours au mécanicien. Tous les jours, tu es avec le mécanicien. Donc, le colonel Mamadi Doumbouya, moi, j'ai beau t'apprécier. Voilà, parce que, comme je le dis, le 5 septembre, je ne suis pas prêt d'oublier cette joie-là, comme certains ne sont pas prêts d'oublier ce malheur, à moins que ce ne soit des businessmen. Ça, c'est autre chose. Le business et la politique, bon, ça ne fait pas très, très bon ménage, mais ce n'est pas impossible. Donc, ceux qui sont en train de faire miroiter des choses, on va faire une rallonge. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire, déjà? Celui qui t'a donné le pouvoir, ou en fait en sorte que tu aies le pouvoir, c'est ton créateur. Qu'est-ce que tu as fait pour lui depuis que tu es là? Moi, rien. Hein? Moi, j'ai rien vu pour dire que islamiquement, tu as fait telle ou telle chose, ou religieusement, tu as fait telle ou telle ou telle chose. Dans sa courma, je pense qu'il est courma, j'espère que je n'ai pas oublié. Il est dans les orphelinats au jour de Noël. Mais de qui se moque-t-on, quoi? Il faut arrêter un peu à un moment donné de la vie. Voilà, tu fais tes 5 prières par jour. Nous avons plusieurs fêtes. Nous avons plusieurs occasions islamiques. Nous avons des internats islamiques.
Nous avons des centres islamiques, nous avons des orphelinats qu'on peut visiter tous les jours, mais tu ne peux pas venir nous valider Jésus quoi, en tant que divinité. Il y a un problème, il faut arrêter à un moment donné. Voilà. L'autre, il est allé à l'église. Bon, je pense que sa femme, normalement, elle est catholique si elle n'a pas changé, ou elle est chrétienne si elle n'a pas changé de religion. Bon, je pense qu'elle a changé de religion, j'espère d'ailleurs. Ça, c'est autre chose, parce qu'il faut qu'il garde religieusement le juste milieu de laïcité. C'est juste politique. Si ça ne marche pas avec les chanteurs et les porte-malheurs, ça peut marcher à l'église, peut-être, pourquoi pas. Si ça n'a pas marché à la mosquée, il faut tout essayer. Mais je pense que tu peux te lever les nuits, demander à ton créateur de te guider. Maintenant, si ton créateur te guide, parce que je sais que tu as des marabouts islamiques qui te donnent des conseils, je le sais, qui t'indexent des gens, qui te disent quoi faire. Mais bon, ton âme n'est pas trop de ce côté. Le colonel Mamadi Doumbouya, son âme n'est pas tellement prête, parce que la chaleur qu'il a est supportable. Vous savez, quand la chaleur est supportable, quand le problème est supportable, on ne pense pas à Allah à ce moment-là. Quand c'est insupportable, tu te dis non, là où je suis, il n'y a plus d'issue. Je suis foutu. Il faut que je trouve une solution. Tu vas te mettre à courir à gauche, à droite, même si on te dit que le chien, là, il est avec Allah, astaghfirullah, tu vas aller là. Donc, pour l'instant, il n'est pas à ce niveau. Mais je me demande comment il va faire pour s'en sortir. Si quelque chose, j'ai déjà parlé de ça, de l'autre, M. Lucien Camara, qui est décédé. C'est la même communauté que M. Amadou Damaro. Moi, M. Amadou Damaro, ce n'est pas mon ami. Hein. Vous, ceux qui s'en souviennent, vous savez. Hein. Ok. Mais ceux qui les disaient que c'était des baobabs, les a laissés tomber. Certains les ont laissés tomber. C'est juste incroyable, quoi. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer dans ce pays-là. Mais comment on peut être sans des manipulateurs, mon frère. Comment on peut être sale à ce point-là? C'est les mêmes personnes qui ont détruit ces gens-là, les Kassori, les Damaro, qui vont, toi-même, on t'a prévenu, qui vont te détruire. Parce que leur bouche-là est maudite. Quand Allah maudit quelqu'un, tout ce que tu soutiens tombe. Mais quelqu'un ne va pas passer pour derrière moi, hein? Wallahi, vous n'allez pas passer derrière moi. Soit on va tout gâter, votre malheur va être confirmé. On va dire, ah, la dame, elle avait quitté, hein? Oui. Personne, moi, ne passera derrière moi. Ça, c'est terminé. Vous n'allez pas vous inspirer de mes vidéos. Vous n'allez pas prendre mes idées. Vous n'allez pas vous mettre derrière moi. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Le 5 septembre. 9 mois. Ça va faire 2 ans. Voilà. Ça va faire 2 ans. Donc, en 2 ans, il y aura un bilan. Inch'Allah, si le colonel Mamadi Doumbouya est encore là, il y aura un bilan à faire. Donc, ce que tu es en train de chercher, si c'est islamique, si c'est sur le chemin d'Allah, qu'Allah fasse que tu trouves cette chose-là. Mais comme je le dis, il y a des gens qui vont te détruire parce qu'ils ne font pas exprès, parce que c'est des maudits. Quand Allah maudit quelqu'un, c'est-à-dire, tu trimbales la malédiction partout où tu es. Quand Allah te bénit, tout ce que tu soutiens prend force. C'est comme ça. Tout ce que tu combats tombe. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est Allah qui donne ça. C'est pas... Non. C'est pas les sacrifices. C'est pas parce que non. C'est lui qui donne ça. Il donne ça à qui il veut. Et il donne pas ça comme ça par hasard. Donc, si quelque chose arrive à l'un d'entre eux, je l'ai dit, je reviens dessus encore. Bientôt le... On est le 26, je crois. Le 26 ou le 26. Le 1er janvier, je ne sais pas comment vous appelez ça, si c'est gracieux, peu importe, il faut essayer de faire quelque chose. Parce que ceux qui vous ont rejoint, là, supposons qu'Alpha Condé revienne au pouvoir. C'est Allah qui est capable de tout. Supposons. Toi, on m'a dit, ouais, tu vas avoir les mêmes, tu vas dire, non, 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 je rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Parce que c'est leur business. T'es des manipulateurs. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ici concernant Alpha Condé? Quoi? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit concernant Kassori et Damaro? Quoi? Tout. Mais ils sont autour. Les mêmes personnes sont là. Ils parlent d'autre chose. Un être humain, si tu n'aboies pas, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Mais bon,
Comme il y a des gens aussi qui aiment ceux qui aboient, c'est ça le problème aussi. Sinon, un homme d'État, tu dois te respecter. Tu ne dois pas te respecter parce que tu es homme d'État. Tu dois te respecter parce que tu as la tête d'un peuple, même si le peuple-là ne se respecte pas. Tu as la tête de là. Et éviter d'avoir la colère d'une certaine catégorie de personnes. C'est très, très important. Parce qu'il y a des colères des gens. Mon frère, ça ne va pas loin, vous. Jusqu'à présent, toi, monsieur, là, vous n'êtes pas encore accroché. Toi-même, si tu sais ça. Quand vous allez accrocher avec ceux-là, on va, tout ce qu'on dit là, même, on ne va même pas arriver là. Et il y a des gens qui ont découvert spirituellement comment déclencher les coups d'État. Malheureusement, il y a des gens qui l'ont découvert. Hein. Vous allez bricoler tous vos bricolages. Quelqu'un d'autre va venir, on va le rafler. Toi, tu ne sais même pas ce qui te retient encore au pouvoir. Oui, tu ne le sais pas. Tu n'es pas tranquille, go. Moi, tous les va-et-vient que tu fais là, moi, je sais que tu n'es pas tranquille. Moi, je sais que tu cherches quelque chose. Mais ceux qui sont avec toi là, ils ne peuvent pas te le donner. Et tu le sais. Au contraire, ils vont précipiter ta chute, comme ils l'ont fait avec les autres. C'est des maudits. Allah les a danka. Quand Allah t'a danka là, personne ne peut enlever ça. Quand Allah t'a béni, ça aussi c'est comme ça. Tes parents même, personne ne peut enlever. Il a décidé ça, il t'a donné. Donc, il faut faire extrêmement attention. Extrêmement attention. Se dire dans la vie, il faut toujours avoir un plan A et un plan B. Ceux qui sont en prison, le vieux là, le monsieur là est vieux. Si quelque chose lui arrive, ça fait 8 ou 9 mois ou 7 mois, je ne sais même plus. Pourquoi tu me poses cette question là? Fagidi, laisse-moi tranquille. Je ne sais même pas trop. Hein. Moi, je ne suis pas trop branchée sur ces choses-là. Je ne fais même pas souvent des vidéos en plus. Donc, ce monsieur-là a un certain âge. On ne va pas dire qu'il a eu une vie facile non plus parce que je crois qu'il a déjà fait de la prison. Supposons, astaghfirullah, mais il faut toujours avoir un plan A et un plan B qui est un problème. Un problème que je ne veux pas dire là. Toi, on m'a dit, comment tu vas faire? Je l'ai déjà dit. Tout ce qui va se passer dans ton temps, c'est ton nom. Même quand un chien mord quelqu'un, m'a dit, on va dire que c'est Mamadi Doumbouya. Malheureusement, c'est comme ça. Même si, quoi qui va arriver en Guinée en ce moment-là, tout le bonheur, certaines personnes vont dire que c'est pas toi, que c'est Allah. Là, ils vont se rappeler d'Allah parce que ça ne les arrange pas que ce soit toi. Certaines personnes aussi vont dire que c'est au temps de Mamadi Doumbouya. Va dire, laisse-moi, je sais que tu me taquines. Certains vont dire que c'est Mamadi Doumbouya. Donc, c'est comme ça que nous, on est. C'est comme ça que l'être humain, il est fabriqué comme ça, globalement et en général. Donc, si tu es là, tu fais n'importe quoi et n'importe comment, tu prends tous les animaux enragés de la Guinée. Mon frère, Bambeto, le Carrefour Bambeto en défilé de mode, comme pour Alpha Condé, ça sera petit pour toi. Oui, il y a des gens qu'il faut éviter. Mais quand je te dis éviter, normalement, même dans le même pays, là, si tu peux éviter, quand ils sont sur un territoire, tu évites. Parce que c'est malheur le problème. Ça, ce n'est même pas caché. Ce n'est pas un truc qui est caché, c'est une réalité, c'est une évidence, c'est un truc qui est là. C'est dans ça que les Damaro sont aujourd'hui. Parce qu'ils vont dire que c'est ceux qui les combattaient. Oui, mais vous avez des gens qui vous défendaient. Ça veut dire que ceux qui vous défendaient n'étaient pas à la hauteur. Oh bien. Maintenant, ceux qui vous défendaient n'étaient pas à la hauteur. S'ils sont avec Mamadou Doumbouya aujourd'hui, ils vont lui apporter quoi? Ou bien Mamadou Doumbouya aussi, il est proche de la prison. Mon frère, tu n'es pas loin de la prison, go. Il faut faire attention. Et Awa. Allah Akbar. Vous savez, quand on disait pour les autres, là, ils étaient sûrs. Parce que quand certains s'asseyent sur Facebook, là, quand tu les vois parler, ou quand tu les entends parler, tu te dis, les bonnes personnes que nous, on cherche, là, c'est eux. Je vous ai déjà dit, c'est des patriotes en location. Il y a des patriotes qu'on loue. Ce n'est pas embêtant. Ce n'est pas un problème. Mais, c'est-à-dire, déclarez-vous que nous, là, c'est notre business, ça. Toi, Marie Soussoko, tu as décidé que tu n'es pas influenceuse, que tu n'es pas blogueuse, que quelle que soit ton intelligence de toute l'humanité ou ta bêteté ou ta bêtise que tu as, que tu ne veux pas d'argent, c'est ton problème. Nous, on veut l'argent. Et puis, on assume. On nous paye tant, ou alors on veut ou telle ou telle ou telle chose. Il ne faut
faut pas faire croire que vous vous aimez tous les présidents. Tous les présidents, vous, vous les aimez. Et quand vous aimez quelqu'un ou un homme politique, il finit en prison ou il finit à Bambetou. Donc, Mamadi Doumbouya aussi doit finir, je ne sais pas où. Mon frère, il faut faire très, très attention. Ceux qui te soutiennent là, il faut leur demander qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter. Parce que c'est de ça que tu as besoin. Là où tu es aujourd'hui, tu as besoin d'innovation. Quoi faire pour t'en sortir? Quoi faire pour te faire aimer par les bonnes personnes? Parce qu'il faut être aimé par les bonnes personnes. Hein? C'est pas ceux qui... Patriote en location, Abdrahman Barry. Mon frère, c'est des locaux, c'est les gens que tu loues. Quand tu viens au pouvoir, tu les appelles ou ils te cherchent. Ils veulent cet avantage-là. Quand tu chutes, ils quittent là-bas. Quand l'autre, ça, c'est la location. C'est faux. Patriote, quoi, c'est la location, mon frère. Donc, le CNRD même doit être honnête. Il faut le faire. Parce que moi, les injures que j'ai prises, moi, je ne vais pas laisser. Moi, tout le monde me connaît pour ça. Si même j'ai même arrêté les malédictions là, c'est parce que les gens dans les commentaires me disaient et en privé aussi. Sinon, quand moi j'étais dans le cas là, ça te prend direct. Parce que moi je me suis levée pendant des nuits et des mois. Et c'est tombé sur toi. C'était pas pour toi, mais c'est tombé sur toi. Et c'est arrivé que je dise ton nom dans ma prière aussi. Oui, parce que ton nom a été dit ici. J'ai dit ton nom dans ma prière. Quand tu es venu encore, j'ai continué en public et en privé. Parce que je me dis que peut-être que notre invocation a déclenché ton cerveau là-bas, tu es venu. Maintenant, ceux qui nous insultaient avec vrai compte, avec faux compte, faire des réunions sur nous, les porte-malheurs, les ratatouilles, les maudits, les gens qui sont maudits, qui font tomber tous les hommes politiques. Mais mon frère, si tu les recrutes pour que eux viennent passer derrière moi, parce que, oh non, la dame, là, partout où elle est, là-bas. Non, 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 je dis non, je préfère perdre cette fois-ci, les faire perdre. Wallah, Inch'Allah. Donc, il faut faire très attention à Malick Sissoko. Oui, je sais que Malick Sissoko vous intrigue. Je le sais, je suis au courant. Mais c'est comme ça. Non, je ne suis pas voyante. Je suis réaliste. Je suis proche de mon créateur et je me bats pour lui. Voilà, c'est pour mon créateur que je me bats en tant que femme. J'ai dit ce que je veux, ce que j'attends de tout homme politique ou de tout homme d'État. Si tu peux réaliser, c'est très très bien. Si tu ne peux pas réaliser, il n'y a pas de problème. Je continue ma route. C'est ça que j'ai dit. Moi, je chemine. Je ne vais pas hypothéquer mon avenir pour qui que ce soit. Non. Et je ne vais pas faire tout ça après pour finir zéro foufafou. C'est-à-dire que les gens qui sont maudits par Allah viennent s'arrêter derrière moi. Non, je dis non à ça. Allez, demande manatana. Pendant que moi, je prie, toi, tu danses. Pendant que moi, je m'occupe de mon mari, vous êtes avec vos copains ou vos copines. Adé. Et toi, tu vas venir, ciao. Que quoi, on m'a dit, depuis quand? Mais il fallait apporter ça à Alpha Condé. Ou bien? Ah, mais mon frère, c'est ça la vérité, il ne faut pas rire. C'est des patriotes en location. Ou bien? C'est pourquoi vous voyez là. Moi, mes idées, j'ai mes idées. Tu aimes, tu n'aimes pas, j'ai ça. Oui, parce que ça va finir. Après d'Alpha Condé, c'est fini. Les gens sont même passés à autre chose. C'est pour vous dire que c'est la location. Je l'ai dit ici. J'ai dit, les gens là, c'est pour rien. Les gens là sont là, c'est pour leur intérêt. Voilà aujourd'hui. Donc, si toi, tu vas ramasser toutes ces poubelles et toutes ces déchets, ces détritus là, moi, pour venir mettre ça sur moi, ce que moi, j'ai rendu propre, je dis, non, vous. Ah oui, je ne vais pas te combattre. C'est parce que j'ai interdit ça. Parce qu'en ce moment-là, si je me mets à te combattre, je vais gagner, Inch'Allah. Si j'ai participé à ton arrivée, mon frère, je vais gagner. Inch'Allah, je vais gagner. Et ça, tout le monde sait que je vais gagner, Inch'Allah. Oui, parce que toi, tu ne m'as rien donné. Ah oui, malheureusement qu'on a dit ça ici. Tu ne m'as jamais rien donné. Tu le sais, et je le sais. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Donc, si tu dois donner à quelqu'un, Guilina, c'est moi numéro un. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je vais laver le caca, les gens vont venir s'asseoir là-bas parce que c'est propre. Moi, je vais sentir l'odeur de caca là. Ils vont être bien, c'est eux les biens. Ah non, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Un peu de respect pour sa personne. Toi-même, on m'a dit du mot, il faut te respecter. Il faut pas enlever le peu de respect qu'on a sur toi là parce qu'il y a un peu déjà d'abord, il y a un petit peu. Il faut pas faire qu'on enlève ça aussi. Respecte-toi, tu es un président, tu es un homme d'État. Il y a beaucoup de personnes qui se sont battues pour ça, beaucoup de personnes. Ils se sont battus indirectement. Et c'est tombé sur toi.
Maintenant, ceux qui se battaient pour ne pas que tu viennes, non, je le dis régulièrement, ils ne vont pas mettre leur caca de sorcellerie sur moi, ma lutte. Moi, je ne danse pas devant les caméras. Je ne suis pas dénudée. Je me couvre, ça fait fuir les gens. Tout ce que j'ai dit là, ça les fait fuir. Mais ça amène Allah dans ma lutte. C'est ça ma force. Voilà. Et je suis en France. Tout ce que je dis là, ma page est contrôlée. Il y a, comment ils appellent ça? Algorithme ou quoi là. C'est pas caché. Je ne vais pas faire tout ça pour que toutes les dévergondées de la Guinée viennent manger dans ça. Je dis non. Et quand je dis non là, j'ai mes méthodes. Fais où? Je vais m'asseoir, je vais prier. Je vais venir dire ici que j'ai commencé à prier. Toi et moi, nous allons voir. Donc, on va gâcher ton pouvoir pour rien. C'est des gens qui ne vont rien t'apporter. Rien. Quand je dis rien, rien. Toi-même, il faut voir. Dès que certaines personnes commencent à parler de toi, il faut regarder comment tu te sens. Quand tu regardes leurs vidéos, comment tu te sens. Et les jours, là, ce qui se passe. Il faut remarquer les choses. C'est très, très important. C'est pourquoi les mouvements de soutien et tous les trucs là, il faut, c'est-à-dire, ça c'est les gens qui ne vont rien t'apporter. Les gens qui peuvent t'apporter là, quand tu vas les approcher, je vais te dire que ouais, mon frère, eux là, bon, c'est supportable. Mais pour l'instant là, ah, si toi-même tu cours à gauche, à droite là, c'est parce que tu cherches quelque chose. Ou bien, voilà. Donc tout ce que moi je peux te dire, tout ce qui représente Satan là, éloigne-toi de lui. Tout ce qui est avec Alpha Condé le 5 jusqu'au 5 septembre, mon frère, ils n'ont rien apporté à Alpha Condé si ce n'est pas un problème. Que ce soit sur les médias sociaux bas, que ce soit en coulisses bas, que ce soit en privé, bon, c'est moi qui te dis, c'est des porte-malheurs. Tous les hommes politiques qu'ils ont soutenus aujourd'hui sont en prison. C'est moi qui te dis. S'ils ont des pages, tu vas vérifier la page. Tu vas voir. C'est comme ça. Parce que c'est des gens maudits. Tu ne sais pas quand on maudit quelqu'un. Allah, c'est-à-dire, tout ce que Allah n'aime pas, tu fais ça, il te maudit. Et il montre les signes aux gens, en public. Mais les gens doivent remarquer. C'est comme moi, on me remarque. Les gens remarquent des choses que moi-même, je n'ai même pas remarquées. Ils le disent sur moi. Mais ce n'est pas négatif. C'est positif. C'est des bonnes choses. Masha'Allah. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas me salir dans certaines choses, surtout ce qui est éphémère. Le domaine qui m'intéresse là, c'est le domaine là que je dis. Si tu ouvres mon cœur, je veux le voile pour toutes les femmes de l'humanité. C'est mon souhait. Hijab pour toutes les femmes de l'humanité, c'est ça mon souhait. C'est ma folie, mais c'est ce que je veux. C'est comme quelqu'un aussi qui veut la démocratie. Je le prends pour un fou, parce que pour moi, je sais que c'est impossible. Puisque, en tout cas, pour la Guinée, c'est impossible. Demoya devrait te nommer comme conseiller spécial à la présidence Pillay. Quand un truc n'est pas bon pour moi, Allah ne le fait pas. Hein. Si il fait ça et que je lui apporte une force qu'il ne mérite pas. Il y a ça aussi, mon frère. C'est d'abord Allah, c'est d'abord l'islam et après la Guinée. Je peux lui apporter une force qu'il ne mérite pas. Hein. Mais là où lui et moi, ça ne va pas aller déjà. Ce que moi je veux, il ne le fait pas. Il ne le fait pas, pourquoi? Parce que la population n'aspire pas à cela. Il y a ce point-là. Ça, c'est un premier point. Et quand je vous parle de spiritualité, tous ceux qu'ils portent comme galon là, c'est tous des groupes de chayatines. L'armée, c'est les chayatines. La démocratie, c'est les chayatines. Il faut qu'on accepte ces réalités-là. Tous ces galons, tout ce qui n'est pas islamique, mon frère, c'est satanique. Ce n'est pas un débat. Acceptons-le. Donc, vous pensez que tous les galons, les drapeaux, les clochettes là, c'est quoi? C'est des groupes. Les grades, c'est les forces. Tous les grades, c'est un groupe. Un autre grade, c'est un autre groupe. Un autre grade, c'est un autre groupe. Ceux qui comprennent vont comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, vous n'allez pas comprendre. Ce n'est pas grave. Donc, tu penses que tous ces chayatines-là vont aimer quelqu'un comme Marie Sissoko? Non. C'est pourquoi cela attire les débauchés, la prostitution, les femmes qui sont maudites, qu'on sait qu'elles sont maudites, mais ça les attire. On sait que ça ne les apporte rien. Derek Kam. Pourquoi je ne vais pas soutenir un coup d'État? Regarde-moi l'idiot là. C'est toi encore ça. Mais je vais soutenir Mamadi Doumbouya, mon frère. Si je le combats, c'est ce que j'ai dit. Si je dois le combattre, ce ne sera pas par rapport à ça. Non, je suis très très contente. Moi, je ne regrette pas. Je n'ai jamais dit que je regrettais le coup d'État. Ah, pourquoi?
pourquoi je vais regretter ça? Regarde-moi l'idiot là. Je vais regretter ça, pourquoi? Tu penses que tu étais là tout le temps, j'allais enlever Alpha Condé comment? Par quelle méthode? Mais il est venu l'enlever, c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui je lui parle comme ça? Je lui dois ça? Il faut dire ça à vos ingrats et vos ingrates qui sont derrière lui. Moi, je dois soutenir Mamadi Doumbouya, oui. Même s'il ne fait pas ce que je veux. Je n'ai pas le droit de le combattre d'une certaine manière. Parce que je n'avais que ma bouche. Il a réalisé mon rêve. J'ai dit qu'Alpha Condé sera humilié comme un chiot enragé. Ça a été fait. Tu veux que je regrette le coup d'état, pourquoi? Je ne suis pas démocrate, moi, mon frère. Si j'ai soutenu les démocrates, c'était pour leur montrer leur faiblesse. Parce que moi, je ne vais pas gagner les élections et puis tu me triches. Et puis, je ne quitte pas dedans. Je ne vais pas me battre pour la même chose 20 ans, comme si c'était islamique. Non, c'est des conneries. Donc, il faut comprendre. C'est-à-dire, vous venez tomber dans les directs pour mettre vos cacas de sorciers dessus. Il faut arrêter un peu ça. Pourquoi je vais regretter le coup d'état? Oui, mais je suis cohérente. Je suis cohérente. Comme Derek Kam, là, toi, là, tu m'insultais ici tout le temps. Si Mamadou Doumbouya t'approche aujourd'hui, mais il t'approche pourquoi? Tu vas lui apporter quoi? Pourquoi tu n'as pas apporté Alpha Condé? Puisque tu le soutenais. Il fallait lui apporter. Si tu as une certaine force, il fallait lui apporter. Et pourquoi moi, tu venais m'insulter? Jusqu'à aujourd'hui, tu viens mal me parler. Vous n'allez jamais soutenir un coup d'État. Pourquoi je ne vais pas soutenir un coup d'État? Ceux qui veulent que Mamadou Doumbouya parte, les meilleurs démocrates, toi, tu es démocrate, Derrick Kam. Tu es démocrate. S'il allait Mamadou Doumbouya, tu vas soutenir le coup d'État, là, oui ou non? Tu vas le soutenir. Ça ne veut pas dire que tu soutiens tous les coups d'État, mais tu soutiens ce coup d'État parce qu'il a levé celui que tu veux qu'il enlève. Moi, je ne suis pas contre les coups d'État. Hein. Quelqu'un d'autre l'enlèvera. Tu es venu tomber sur un truc. Je dis, même s'il y a un autre, si ça ne change pas, on le fera. On le fera tomber. Les gens ont découvert comment on déclenche un coup d'État. C'est spirituel. Voilà. Je vais avoir des écarts de langage parce que tu viens écrire des conneries. Tu viens écrire des conneries sur ma page et je te connais. Voilà, c'est vous les mêmes. Vous voulez coûte que les gens... C'est un idiot. Mais c'est des idiots. Mais ces gens-là, c'est des vrais idiots. Tu es là, tu parles depuis des mois. Tu dis quelque chose, quelqu'un le réalise. Tu vas le combattre par quel méthode, par quel moyen? Mais si je vois un idiot comme Derrick Kam, aller derrière lui, que lui il soutient Mamadou Doumbouya. Mais tu veux venir gâter mon travail? C'est ça que tu ne comprends pas? Parce que moi, je ne vais pas m'associer à quelqu'un comme toi. Parce que je sais que tu portes malheur. Mon frère, si tu portais bonheur, Alpha Condé n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Oui? Non, tu sais, moi, je ne bloque pas trop pour plusieurs raisons. Avant, il y avait beaucoup d'injures ici, c'est les mêmes. Bon, il n'insultait pas trop, mais il écrivait beaucoup d'idioties. Fadidi, si tu voyais les injures ici, c'est pourquoi je soutiens ce monsieur-là. Si tu voyais les injures sur ma page-là ici, tu ne peux pas y croire. Il y a des gens qui m'appelaient bloc, 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 un tel, bloc, un tel. Bloc, un tel, bloc, un ci, bloc, un ça. J'ai dit non, il faut que je les laisse écrire leur connerie. Le jour qu'on va attraper leur monsieur-là, ils vont comprendre. C'est toi l'idiot. Et toute la cause que tu soutiens est idiote. Vous êtes tellement idiot que vous avez vos éléments qui ont rejoint Mamadou Doumbouya. Ça veut dire que vous étiez dans l'idiotie. Et pourtant, vous les applaudissez ici. Moi, vous venez m'insulter. Moi, ce que je veux, ça s'est réalisé. Je ne veux pas combattre Mamadou Doumbouya. C'est vous qui n'êtes pas dans votre ensemble. Parce que quelqu'un qui enlève ton mentor, bon, que tu vas le soutenir, que tu vas l'apporter quoi? C'est ça le problème. Tu vas l'apporter quoi? Tu vas venir passer derrière moi? Non, moi, personne ne passera derrière moi, Inch'Allah. C'est là la question, c'est là le problème. Votre bad luck là, votre porte-malheur là, il faut laisser ça dans vos malheurs là-bas. Vous vous débrouillez. S'il y a un procès contre votre personne, il est bête, Diaw. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est pourquoi je me suis énervée si je les ai maudits. Et quand je vous maudis là, ça vous prend. Parce que ce que je dis, si ça ne te regarde pas. Ils veulent coûte, que les gens regrettent le coup d'État là. Je vais regretter le coup d'État. Pourquoi? Quelque chose que je ne sais même pas que j'ai désiré. Que j'ai désiré, comme je ne sais pas. Dis-donc, hey, on se connaît. Ah, regardez. Moi, je suis jamais. Je te suis jamais. Tu racontes des quoi? J'ai pas compris ton problème. Des fadaises. Ok. C'est aujourd'hui que je te suis. Sinon, tu ne dis rien de constructif. Comment tu peux suivre quelqu'un? Comment tu peux savoir
que je ne dis rien de constructif si tu ne m'as jamais regardé. Écris ça dans le commentaire. Après, je vais lire pour que les autres comprennent. Parce que tu sais que je ne dis rien de constructif. Mais tu le sais comment? Comment tu l'as su? Si tu ne m'as jamais regardé. Non, réponds à la question. Comment tu as su? Mon frère, ce que j'ai dit pour Alpha Condé, là, ça s'est fait. Vous m'avez insulté pour Damaro et Kassero aujourd'hui. Ceux qui insultaient, ceux qui disaient que c'est des baobabs, pourquoi ils ne disent pas aujourd'hui que c'est des baobabs? Pourquoi ils ne se battent pas ici tous les jours pour qu'ils sortent? Pourquoi ils ne le font pas? Hein? Voilà, c'est eux-là que vous devez aller attaquer. C'est eux-là qui ne sont pas constructifs. C'est vous qui êtes dans un truc pas constructif parce que vous avez terminé là où vous avez terminé. Ce sont vos gens que vous, là, on loue. Donc, explique, laisse tout ça là. Explique comment tu sais que ce que je dis, ce n'est pas constructif. Il faut expliquer ça. Après, je vais leur expliquer que tu as dit ça. Moi, je te reconnais. Merci beaucoup. Et tu sais encore que je suis incohérente. Comment tu sais tout ça? Il faut expliquer avant de partir. Ce que je dis, ce n'est pas constructif et je suis incohérente. Explique ça avant de partir et merci beaucoup. Au revoir. Pour l'instant, c'est vous qui avez pleuré ici. Moi, j'étais contente. Et à cause de ça, je suis dans mon droit de soutenir Mamadi Doumbouya. Je suis dans mon droit de le conseiller de ne pas faire des bêtises qui vont l'amener dans un autre défilé de monde comme votre mentor a défilé. Et c'est ce que vous n'avez pas réussi à faire. Vous voyez les erreurs. Vous continuez à dire, ah, le Fama National, le ci, le ça. Celui qui vous a fait ce coup était dans votre propre camp. Pourtant, vous êtes constructif. Pourtant, vous êtes cohérent. Mais vous n'avez pas vu ça. C'est ça que je ne comprends pas. Non, il ne faut pas me déconcentrer. Ce qu'il dit là, je dois répondre ça. C'est très, très important. Vous étiez constructif. Vous avez beaucoup de bonnes choses. Vous avez tout ça. Mais pourquoi vous n'avez pas vu Mamadi Doumbouya? Pourquoi vous n'avez jamais fait de publication ou de direct ou tirer la sonnette d'alarme comme ce que moi je suis en train de faire pour lui aujourd'hui? Quand tu soutiens quelqu'un, c'est ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que tu es incohérent. Ça veut dire que tu es réaliste. C'est du réalisme. Vous êtes resté dans votre film. Et ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Maintenant, votre souhait est que toutes les personnes qui ont soutenu le colonel Mamadi Doumbouya à ses débuts quand il est arrivé ou au coup d'état, peu importe, que ceux-là regrettent. Mon frère, je ne fais pas partie de ceux-là qui regrettent son arrivée. Je suis très très contente du 5 septembre. Je vous l'ai dit, c'est l'un des meilleurs jours de ma vie. Je ne peux pas oublier ça. Je l'ai dit, c'est parce que tu viens d'arriver. Ceux qui ont eu cette douleur-là, tu le confirmes, ils ne vont jamais oublier cette douleur. Le bonheur-là que moi j'ai eu ce jour-là, je ne vais jamais l'oublier. Voilà l'un d'entre vous. Moi, ça me va. Je suis très, 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 très contente. Très contente. Oui, c'est toi qui n'étais pas content et tu veux contaminer tout le monde par ça. C'est-à-dire, vous, il faut que tout le monde regrette. Non, il y a des gens qui ont fait appel à ça. Comme je l'ai dit, pour plusieurs raisons. Moi, je voulais qu'Alpha Condé parte. Moi, quand je me bats, j'aime gagner. Il y a des gens aussi qui aiment gagner de l'argent. Eux aussi sont en train de chercher leur argent. Moi, c'est ça ma spécialité. Moi, j'aime ça. Malgré tout ce que tu es en train de dire là, que tu sais par magie. C'est toi qui connais ça par la magie. Je ne sais pas comment tu sais tout ça. Sur quelqu'un que tu ne regardes pas. Mais voilà. Donc, c'est ça. C'est ça qui vous a amené là où vous êtes. Vous avez pleuré. Hein? Et vous voulez coûte que coûte. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas l'être humain. Vous étiez en train de soutenir un truc. Le truc là est tombé. C'est ce que j'ai expliqué ici. Quand il y a une lutte, il y a deux camps. Il y a deux camps pour la lutte, monsieur Kam. Ceux qui défendent et ceux qui combattent. Soit ceux qui défendent sont plus forts, soit ceux qui combattent sont faibles. C'est ce qui s'est passé avec vous ici. Vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'avez pas été à la hauteur. Vous avez détruit ce monsieur au vu et au su de tous. Je le disais ici régulièrement. Mais le Guinéen aime ça. Ceux qui leur disent les bonnes paroles, comme là, la jeune femme, oh, colonel Mamadi Doumbouya, tu es le meilleur au monde. Non, il fait des erreurs, je le dis.
Ça ne veut pas dire qu'il va m'écouter. Non, ça, ce n'est pas un problème. Peut-être que lui aussi, il pense que ce que j'ai dit, que ce n'est pas constructif. Mais pour l'instant, bon, ça coïncide. Malheureusement, moi, mon cas, il y a trop de coïncidences. Ce n'est pas que c'est vrai ce que j'ai dit, mais seulement ça coïncide. Voilà. Ne raconte pas d'ineptie. Le pays va très mal aujourd'hui. Il faut avoir la lucidité de l'assumer. C'est-à-dire, je pense que toi, tu ne sais pas trop ce que tu veux. Hein? C'est toi qui dis tout. Vraiment. Le monde va mal. La crise est là en France. Elle est aux États-Unis. Elle est partout. Les prix ont doublé partout ou ont augmenté partout. Ça, ce n'est pas propre à la Guinée. Ça, c'est partout. Et pourquoi cette Guinée-là, elle est toujours en crise? Pourquoi en Guinée, ça ne va jamais? Donc, je ne suis pas d'accord avec ce côté-là aussi. Ça veut dire que ce peuple a un problème. Et je ne vais pas sur ce terrain-là parce que je n'ai pas envie. Ce n'est pas moi qui vais combattre Mamadi Doumbouya pour vous. La même équipe-là qui soutenait votre mentor, ils ont d'autres personnes aussi. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a du monde qui le combat, c'est Mamadi Doumbouya. Je vous dis que je me demande comment ça se fait que jusqu'à aujourd'hui, il est là-bas. Moi, par la grâce d'Allah, Alpha Condé n'a pas fêté son investiture, hein, malgré tout. Tu peux compter quand j'ai commencé. C'est une coïncidence. Mais voilà, ça a quand même marché. Donc, si tu m'en veux pour ça, vous allez m'en vouloir toute votre vie. Je m'en fous. Et vous savez que je m'en fiche. Si vous pouviez faire quelque chose, vous l'auriez fait. Quand tu soutiens quelqu'un, tu essayes de lui donner de la force, peu importe par quelle, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Tu peux lui dire quand les choses ne vont pas. Qui devrait être la boussole de qui? Mon frère, hey! Je suis en train de parler de vos cadres qui sont en prison là. Il faut faire des publications sur ceux-là et faire des vidéos pour qu'on les libère. Vous êtes tellement... Je ne sais pas comment dire ça. D'accord. Tu vois, Fagidi, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, s'il y a des gens qui pouvaient me tuer, ils m'auraient tué. Voilà les gens. Voilà, c'est les espèces là, c'est les catégories là. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème. Les Guinéens vont souffrir. Calme, tant qu'ils ne changent pas, ils vont souffrir. Après, Mamadi Doumbouya, il y aura un autre encore. Pire que lui, si ça ne change pas. Si toi et moi, on ne change pas notre comportement. Comme par exemple, tu viens écrire des idioties ici. Quelqu'un que tu ne regardes pas. Tu écris des idioties sur moi, pourquoi? Tu as perdu ici. Vous avez perdu devant tout le monde ici. Pleurez jusqu'à enlever vos pantalons. Aujourd'hui, c'est les mêmes saletés qui sont derrière lui là-bas. Pour salir le pauvre de ici. C'est ça le problème. Donc, quand vous soutenez là, donnez la force. Maintenant, si votre force ne donne pas quelque chose, ceux qui ont gagné face à vous, aujourd'hui, la fille de Doumbouya roule dans la voiture de Bill Gates. Bill Gates, que dis-tu? Premièrement, je ne suis pas au courant. Moi, je ne suis pas là pour épier dans quelle ou quelle voiture les gens roulent. Je vais te dire, par exemple, ce que je veux. Si tu me dis, par exemple, la fille de Doumbouya s'est voilée, cela m'intéresse beaucoup. Bill Gates lui-même, il a volé, il me semble. Ou bien c'est faux. Donc, c'est voleur volé. Il a créé la CRIEF. Quand il va quitter le pouvoir, la CRIEF va le pourchasser. Malheureusement, toi, Derrick Kam, je vais venir m'asseoir ici pour dire, ah, le colonel, c'est ça que je te disais. Maintenant, voilà, ça arrive. Tu vas dire autre, tu vas encore mal me parler. Parce que vous, vous pensez que quand on soutient quelqu'un, on dit les choses qu'il fait qui n'est pas bien, ça veut dire qu'on est incohérent. Non, on n'est pas incohérent. Quelque chose comme ça, il faut prendre la chose au début. Ce que tu es en train de dire de ce Bill Gates-là. Bill Gates a eu cet argent comment? Il faut commencer par le début. Tu avais dénoncé Bill Gates. Tu ne l'as pas dénoncé parce qu'il était de ton camp. Ou bien? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ce que le Bill Gates, là, lui, il a pris, quelqu'un d'autre lui prend ça. Ça peut être n'importe qui. Est-ce que c'est vrai, d'ailleurs? J'en sais rien. Bon, supposons que c'est vrai parce que, bon, tu le dis. Quelqu'un d'autre vole, un autre voleur vole le voleur. Mais il fallait dénoncer le premier voleur, mon frère. C'est-à-dire, c'est ça notre problème. Tant que c'est dans notre camp, on ne dénonce pas.
Mais ça, c'est quelque... Bill Gates faisait quoi comme boulot? Bill Gates a eu l'argent là où? Ton Bill Gates, que tu dis, il a eu cet argent là où? Mon frère, quand on prend un vrai Guinéen, est-ce qu'ils peuvent s'acheter un 4x4, d'ailleurs, ou une moto? Quand on voit leur salaire, si ce n'est pas l'immigration et quelques hommes d'affaires, tu vois les voitures que ces gens-là ont? C'est ça votre problème. C'est ça qui a mis votre Alpha Condé dans les problèmes. Ce que tu es en train de faire là. Non, Fadi, il ne faut pas l'écouter. Il n'a pas volé, il ne faut pas l'écouter. C'est-à-dire, comme on a pris la voiture de ce monsieur-là, selon lui, bon, je ne sais pas, peut-être que c'est vrai, pourquoi pas. Donc, il veut que moi, je parle. Moi, je vais passer ma vie à ça, quoi. Ce que je suis en train de dire au colonel Mamadi Doumbouya, je l'ai déjà dit. Tu regardes la vidéo au début. Il n'a qu'à libérer vos vieux là qui sont en prison. Moi, c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc, ne viens pas gâter mon affaire. Mais comme tu as déjà une mauvaise impression et une mauvaise image de moi, tu es venu m'attaquer directement. Je suis en train de parler de vos gens. Moi, ce ne sont pas mes gens. Moi, ça, c'était les gens que j'attaquais, qui se sont retrouvés en prison. Voilà. Mais ce n'est pas forcément moi. Hein. C'est peut-être parce que aussi ceux qui les défendaient ne les a pas bien défendus. Il faut regarder ce côté-là. Donc, moi, pour le bien du colonel Mamadi Doumbouya lui-même, il doit libérer les gens-là. Je l'ai dit plusieurs fois. Même si tu n'as pas l'habitude de me regarder comme je suis bête là. Mais je l'ai dit ça quand même plusieurs fois. Je vais le dire encore. Il fait bas. Il ne fait pas bas. Ce n'est pas grave. Peut-être, à cause de ça aujourd'hui, tu vas pouvoir ma petite intelligence. J'en sais rien. Ah, il faut arrêter d'écouter les Derrick Kam. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, voilà les gens comme les Derrick Kam, jusqu'à leur mort. Nous, là, quelqu'un comme moi, là, ils vont me combattre. Oui, jusqu'à leur mort. Ils ne vont pas m'apprécier. Mais ils savent que je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Donc, il faut trouver une solution pour le vieux Damaro. Il faut trouver une solution pour les Kassori Fofana. Parce que je ne sais pas comment tu vas sortir de ce brouhaha-là. Non. Je ne veux pas que tu regrettes le 5 septembre. Les gens comme les Derrick Kam là, ils veulent que le colonel Mamadi Doumbouya et tous ses adeptes, les bonnes personnes qui sont avec lui, regrettent le 5 septembre. Ils veulent comme des gens comme moi regrettent le 5 septembre. Non. Derrick Kam, je ne vais jamais regretter le 5 septembre. Ça, c'est gravé dans ma mémoire. Justement, je le dis régulièrement. Je garde... tellement cette belle image-là dans la tête. Parce que c'était mon souhait. C'était mon souhait avec bonus. Je ne le cache pas. Avec bonus. C'est-à-dire que ça s'est fait plus que ce que je voulais. Donc, quand je pense à ça, quand je pense à cela, je ne peux le lui dire que d'éviter certaines choses. Et il peut toujours faire marche arrière sur certaines choses. Ces gens-là ont été arrêtés pour peut-être canaliser son pouvoir, pour asseoir son pouvoir. Il faut laisser les gens-là. Il faut trouver une solution. Parce que il peut y avoir le pire. Le pire peut se passer, peut arriver. Ça ne sera pas une bonne chose. Non, toi tu connais beaucoup de choses sur moi des... Tu ne me regardes pas, mais tu connais beaucoup de choses. Hein? Comment tu fais pour savoir tout ça? Sur quelqu'un que tu ne regardes pas. Il faut me donner ton secret pour que moi aussi je découvre les choses. Hein? Pardon, donne-moi des secrets pour que je découvre comment tu fais. Comme, pour que je fasse comme toi. Comme ça, je ne me casse pas la tête. Il n'y a rien à Adamo. Gé, non, mon bounde couille fort, Alpha Condé fait. C'est pour quand je vois le CNRD aller ramasser ces ordures-là pour leur porter malheur. Voilà, des vrais ratatouilles. Mettez ça dans votre tête. Toutes les personnes qui ont eu mal le 5 septembre, moi je vous donne un conseil. Voilà, il faut demander pardon à Allah. Demandez à Allah que Allah, je t'ai fait quoi pour m'humilier ce jour-là de cette manière. Un jour, inattendu pour vous, que vous n'imaginez pas que c'est réalisable. Cela s'est réalisé. Donc, globalement,
C'est un peu ça. Ces mouvements de soutien, tous ces brouhahas et tout ce bazar-là, ça ne donne pas, ça ne va pas donner. Ça n'a pas de sens, c'est pas important. Ça n'a aucune importance. Voilà. Tu te rapproches de ton créateur. C'est ce qu'on dit, que ce que je dis n'est pas constructif. Quand je mets l'islam dedans, c'est incohérent et c'est pas constructif. D'accord, c'est très très bien. Comme vous, vous êtes constructif et tout ce que vous faites, ça donne. Bon, nous avons remarqué que ça donne. Oui, c'est une très très bonne chose. Que vous donnez de la force à tout ce que vous faites. Mais bon, moi, je n'aimerais pas être à votre place. Hein, parce que franchement, je ne veux pas m'asseoir ici pour pleurer à cause d'un homme politique ou pour dire que je ne m'attendais pas à ça. Non. J'ai toujours un petit truc qui alerte, même si on ne croit pas. Donc, je lui dis, Colonel Mamadi Doumbouya, il faut faire attention. Aucun être humain ne peut t'aider ou ne peut te sauver. Non. Rapproche-toi, toi, de ton créateur. Yati, yati, yati. Cette affaire de Bill Gates, là, c'est vrai bas, c'est faux bas. Est-ce que ta fille a besoin de ça? Je ne crois pas. Mais si ça a été fait, par exemple, si c'est la vérité, je dis bien si c'est la vérité, c'est ce que je viens de dire là. Les catégories de personnes qui se projettent, qui sont venues, qui sortent je ne sais même pas d'où, qui font croire des choses au monsieur, qu'il va rester au pouvoir, il va si, il va ça, et comme ci et comme ça. C'est-à-dire, le monsieur aussi se fait des films, mais supposons que quelque chose se passe entre-temps. Allah se le sait. Qu'Allah t'épargne de cela. Ou alors, tes 24 mois qui restent, en tout cas, le temps qui reste, que cela finisse. Tu comptes faire comment? D'où ces trucs de soutien à gauche, à droite, là où on était tout à l'heure, qui font croire que non, tu pourras, nous on avait fait si, avec un tel ou avec un tel, tu pourras. Plan B, supposons que ça ne se passe pas comme cela. Vous aussi, vous allez répondre. Ou bien. Donc, moi, je préfère que tu te mettes dans la tête. Et si je devais répondre à la justice demain? C'est mieux de se mettre dans la tête et de se préparer psychologiquement, mentalement et moralement. Surtout, éviter certaines choses. Il n'est jamais trop tard. Ça fait un an, quelques mois. Si tu commences à bien te comporter, les Guinéens oublient très très vite certaines actions. Mais tu vas avoir certaines actions comment? Qui va te guider? Tes bougnoules là et tes porte-malheurs, ça m'étonnerait. Donc, lève-toi, tu fais tes prières de nuit, tu pleures devant celui qui t'a donné le pouvoir, qu'il te guide, qu'il t'amène les bonnes personnes. Quand il va t'amener les bonnes personnes, tu dis que non, non, eux là, c'est pas eux. Tu vas, je sais pas, ce que vos âmes attirent là, tu vas ramasser ça. Mon incohérence là, toi aussi tu vas voir ça un jour. Je sais pas un souhait, hein. Ce n'est pas un souhait. Je ne te le souhaite même pas. Je te dis que je ne veux pas que mon goût de 5 septembre là parte de mon cerveau. J'ai dit ça je sais pas combien de fois. C'était trop beau. C'était magnifique, c'était super. Tu sais, quand tu parles là, on te prend pour une folle et puis ça arrive, pas. Comment tu es? Celui qui a provoqué ça, comment tu le prends? Donc, c'est ça. Le colonel Mamadi Doumbouya et moi, là, c'est ça. C'est la partie là. Mais, comme je dis, je répète encore, les porte-malheurs qui veulent passer là. Oh, mon ami, mes goûts. Il faut aller derrière les cams là-bas. C'est vous qui êtes là avec eux. Allez-y là-bas. Vous avez un parti politique. Il faut défendre Kassori et Damaro. Ils ont besoin de ça. Les pauvres, ils en ont besoin. Ce n'est même pas moi qui dois m'asseoir pour parler de ça ici. Comme moi-même, je n'arrête pas mes nafiguillas là. Oui, c'est ça. Sinon, je ne dois même pas parler d'eux. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a le choix quelquefois? On n'a pas le choix. La gestion du pays aujourd'hui nous amène dans le gouffre et vous ne serez jamais à l'abri, même étant en Occident. C'est aujourd'hui que la Guinée est dans le gouffre. Ou bien c'est aujourd'hui que tu as vu ça. Ça, c'est un pays de gouffre. Tu ne sais pas ça? C'est pourquoi j'ai décidé que moi, m'asseoir ici tous les jours, combattre un président. Non, 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 j'aurais mes raisons à moi. Si vous ne changez pas, mon frère, ça ne changera pas.
tel peuple, tel dirigeant, c'est ce qu'on mérite. Il faut qu'on soit d'accord sur ce point-là. Quand on sera d'accord sur ce point, on va savoir quoi faire. Mais si on veut retomber la faute toujours sur les dirigeants, c'est Alpha Condé hier. Aujourd'hui, c'est Mamadou Doumbouya. Après demain, c'est Paul. Après demain, ce sera Pierre. Toi-même qui porte plainte, toi-même qui te plains de Paul, de Pierre, de Mamadou, de Alpha, de tout. Toi, c'est quoi ta responsabilité? Vous voyez, c'est pourquoi c'est vous qui. C'est un peuple incohérent. C'est le peuple de Guinée qui est incohérent. Cohérence. Du moins, ceux qui se plaignent. Parce qu'il y a des gens qui s'en fichent aussi. Donc, moi, que je sois en Occident, que je ne sois pas en Occident, qu'est-ce que ça change? Je pense que ceux qui sont en Occident, d'ailleurs, ont plus de charges. Hein, parce que c'est l'immigration qui fait vivre le pays. Oui, c'est l'immigration qui fait vivre l'Afrique. Malheureusement, une autre honte encore. Donc, tu écris des trucs de manipulation à deux balles qui ne marchent pas. Moi, je n'ai pas... Je pense que c'est dur partout. Hein. C'est partout. Ici même, c'est dur. Je ne sais pas où tu es. C'est dur en France. Oui, c'est devenu cher. Partout. Il y a des rayons qui sont vides dans certaines villes. Hein, aujourd'hui. Vous voyez, Diallo Junior.